Je vous propose, ce soir, que nous fassions ensemble, mais toute cette semaine aussi, une expérience de cinéma, puisque 90 films, soit 159 projections, sont dès à présent prêts à être diffusés, sont prêts à se répandre un peu partout dans la ville. Ce soir, et surtout à partir de demain, vous avez l'occasion de rentrer dans l'énorme salle de cinéma qu'est ce festival. Vous allez plonger dans une ambiance, une atmosphère particulière. Vous allez vous frotter à des films, bien sûr, mais aussi à des rencontres avec des acteurs comme Adèle Haenel, Bulogier, Lambert Wilson, Karine Viard, qui revient parce qu'enthousiasmée de son expérience de l'année dernière ici. Des cinéastes aussi, comme Pedro Costa, des illustrateurs comme l'excellent Lorenzo Mattotti. Ce festival, c'est pas un petit festival. C'est pas un fake festival. C'est un sacré festival. Pointu dans sa programmation, mais à aucun moment replié sur lui, offrant une palette incroyable de ce que le cinéma national et international a de plus intéressant, et le public aussi. Dix ans, c'est un tout petit peu plus de 550 films qui ont été programmés. 10 ans, c'est un tout petit peu moins de 100 000 spectateurs. C'est énorme, on dirait l'autre. Lorsque l'on regarde cette production, cette proposition, elle est éclectique, c'est ce qui fait notre bonheur. Elle est fine, c'est ce qui fait notre passion. Et elle est pointue, c'est ce qui fait notre envie. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau Festival du Film 2019. Il y a une chose que je ne me lasse pas de dire, c'est que c'est super l'ouverture, c'est super la clôture, c'est génial que vous soyez là. Mais le festival, c'est aussi demain et après-demain et encore, et ça dure, voilà, ça dure toute la semaine. Moi, c'était un film vraiment ouvert sur plein de dimensions, extrêmement accessible et en même temps avec ses goûts pour une recherche. J'ai trouvé voilà, que les films avaient cet équilibre très rare et qu'incarnaient une partie de l'esprit de ce festival. Donc, je vous demande d'accueillir Alice Izzat, Max Boubli, les réalisateurs, Anthony Martin. On est très fiers de vous présenter ce film. Voilà, on commence à tourner. C'est un film dont on est fiers, qu'on a envie de faire découvrir un maximum de gens. C'est un film très personnel qu'on a écrit avec Max, qui est quasi autobiographique. Si vous plongez votre nez dans un dictionnaire à la définition de expérience, vous y lirez le mot éprouver et le mot ressentir. Dès ce soir, et surtout dès demain, éprouvez le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. Ressentez-le. Et surtout, prenez-en soin. Bon festival.